S'agissant de ce retour à la paix dans la partie est de la RDC, les notables du Nord Kivu ont présenté leur désidérata en rapport avec cette situation au vice-premier ministre, ministre congolais de l'Intérieur et Sécurité. Il s'agit des députés élus des territoires de Beni, Butembo et Lubero. Pour ces parlementaires, il est important de se focaliser sur la jeunesse dans cette partie de la RDC. Des dispositions doivent être prises par le président de la République pour que la paix revienne totalement. Nous sommes venus voir Son Excellence le vice-premier ministre de l'Intérieur pour lui dire de capitaliser les énergies qui sont dans la jeunesse de Butembo et dans le Grand Nord, vu tout ce qui se passe dans cet espace. Et les manifestations qu'il y a eu, et nous voudrions dire que les jeunes en ont ras-le-bol parce que les tueries ont trop duré. Et les jeunes et la population ont eux-mêmes attrapé, poursuivi les ADF jusqu'à en attraper trois et ils les ont exécutés parce qu'ils en ont ras-le-bol. Et nous voudrions dire ici que les chefs de l'État, parce que nous sommes en train d'aller vers les élections, doit prendre des dispositions pour que la paix puisse revenir dans cet espace. Et nous sommes contents que tout ce que nous avons parlé pour la sécurité au Grand Nord, le VPM nous a promis de trouver des solutions avec les autorités hiérarchiques, notamment le chef de l'État, notamment le Premier ministre. Et nous sommes, la réunion s'est bien terminée et nous sommes contents que les propos ou les difficultés de la population auront une solution. C'est ça.